Salam Outsiders, Outsiders, débrief Real Madrid, Liverpool, Ligue des Champions, je m'attends à un maximum de partage. Explosez-moi ce bouton partage, on est tous ensemble, on est tous Outsiders, le débrief commence maintenant. Bon les gars, je dis le Marabouzian a encore frappé, il y en a qui sont frustrés dès le départ en disant non il a pas... Non, faut qu'on soit sérieux, quand Salah il se blesse, tu te dis mais attends, derrière il y a encore quelque chose qui s'est passé. Parce que derrière, tu ne t'attends pas à ce moment-là. Qui s'attend à ce que Salah soit blessé à ce moment-là? Qui s'attend à ce que Sergio Ramos fasse une clé de bras, un truc de judoka? Mais Ramos il joue à quoi en fait Ramos? Moi je comprends pas sur l'action. Oui il défend, oui il touche le ballon du pied, on est d'accord. Mais est-ce que c'est nécessaire de prendre le bras du gars, de le coincer ici, de faire une clé, etc. Derrière il lui disloque l'épaule, mais Mohamed Salah est totalement perdant et Liverpool est perdant. Parce que si tu regardes bien, les 30 premières minutes du match avant que Salah se blesse, Marcelo n'est pas monté une fois. Tu n'as pas vu un centre de Marcelo durant ces 30 premières minutes-là. Par contre, le reste du match, tu n'as vu que des centres de Marcelo. La preuve, le but de Gareth Bale vient d'un centre de Marcelo. Pourquoi? Parce que Marcelo a sur lui Trent Alexander-Arnold et Mohamed Salah qui combinent bien tous les deux et qui laissent aussi la liberté à Arnold de monter, mettre de la pression à Marcelo. Quand Salah se blesse, il fait quoi de club? Il tente la chose la plus logique au monde. Il se dit, moi, je vais faire rentrer Lallana, je vais mettre Lallana de l'autre côté à gauche et je vais passer Mané à droite, puisque Mané est mon meilleur joueur, Mané va pouvoir occuper Marcelo. Mais derrière, ça ne s'est pas passé comme ça parce que ça n'a pas empêché Marcelo de monter. Mais ça ne change en rien. Ça ne change en rien au fait que Liverpool a tout donné, au fait que Klopp a tout donné, au fait que Klopp est resté fidèle à ses convictions. Il avait averti tout le monde avant le match. Faut qu'on soit sérieux. Il avait averti tout le monde avant le match. Il était venu en conférence de presse. Il a dit quelque chose de clair, net et précis. Il a dit, je ne changerai pas ma manière de jouer. Je ne peux pas avoir fait toute la saison de cette manière-là, avoir gagné des matchs et venir aujourd'hui et prétendre dire que je vais tout changer. Non, je ne le ferai pas. Il est venu avec son 11 de départ typique. Mais qui s'attendait à ce que Karius vende le match? Qui? Karius, qu'est-ce que tu fais? Karius, pourquoi tu as fait ça? Mais Karius, mais c'est pas possible. Karius, déjà à la base, cette saison, il ne devait pas être gardien. Je pense qu'en début de saison, ce n'est pas lui, c'est Mignolet, si je ne me trompe pas. Mignolet fait des bourdes, on met Karius. On sait que Mignolet ou Karius, tous les deux, ils ne sont pas très forts, mais Liverpool fait avec depuis le début de la saison. Karius, tu fais une bonne saison. Sur le coup, mais tu lui en veux énormément. Tu te dis, mais mec, tu vois Benzema est à côté de toi, tu fais une relance dans les pieds de Karim Benzema. D'ailleurs, Benzema, en passant, pourquoi tu célèbres? Mon frère, tu célèbres comme si Benzema, ça se voit, tu ne marques pas souvent. Hein, tu marques des buts comme ça, tu cours, tu célèbres. Poteau de corner, il saute, il truc. Karim, il m'a tué sur l'action. Mais pour revenir et être plus sérieux, Karius, il a déconné, il a vachement déblessé sur cette action-là. Parce que sur cette action-là, à mon humble avis, Karius, tu dois pas faire ça, mec. Pas toi, Karius. C'est comme Mandanda qui te fait un dégagement dans les pieds du pauvre, comment il s'appelle là, le Zambo Anguissa. C'est la même chose. Karius, aujourd'hui, tu te dis, mais c'est quoi ces délires-là, ces erreurs-là que vous faites à ces moments-là? C'est pas maintenant que... L'erreur-là, il fallait la faire face à Stoke, face à je sais pas qui. Mais tu la fais pas en Ligue des Champions, face au Real Madrid. Ça se paye cash. Karim Benzema, on l'a toujours dit, il est extrêmement dangereux. C'est un vrai renard, il sait où mettre son pied. Il est venu, il a mis son pied, là il marque. Mais derrière, ça c'est la première erreur. Tu lui en veux Karius, parce que toi-même tu es là, tu te dis, mais attends, c'est dommage parce que tu viens de fausser le match. On regardait un bon match de foot, vraiment c'était chaud, c'était intéressant. Le match était à 0-0, tu viens, tu fous le bordel comme ça. Donc tu lui en veux, tu vois. Derrière, Liverpool égalise. Donc Sadio Mané d'ailleurs, en passant, qui a fait un match sensationnel. Sadio Mané, Carvajal sur le côté, il a géré. Sans problème, sincèrement, il a géré Carvajal. Je pense que Carvajal se blesse, malheureusement pour lui. Et de l'autre côté, qui a aussi géré Marcelo à un moment donné, c'est Sadio Mané. Sadio Mané, aujourd'hui, en 1 contre 1 face à Marcelo, il passe. En 1 contre 1 face à Ramos, Ramos tombe. Tout le match, Ramos, on l'a pas touché, il tombe. Ramos, c'était Ramos. Ramos, en fait, honnêtement, et c'est là où moi, j'applaudis grandement les joueurs du Real Madrid. C'est là où j'applaudis, en fait, c'est là où j'ai une admiration pour cette équipe-là. C'est que c'est des dangers, en fait. Ils sont juste intelligents, ils sont matures, ils savent ce qu'ils font. Le carton jaune que prend Sadio Mané, Ramos, il l'attend. Il a le ballon, il sait que Mané arrive, il a tout le temps. Il peut faire une passe 15 secondes avant à Navas, il ne la fait pas. Il attend que Mané arrive, jusqu'à ce que Mané se frustre. Mané vient mettre le pied, Ramos fait la passe, il tombe, il prend sa tête, il prend son truc, etc. Ramos nous l'a fait pendant 90 minutes et ça, c'est l'expérience. Ça, c'est Sergio Ramos. Donc derrière Sadio Mané, quand même, il a fait un très bon match là-bas. Il a géré, il a essayé de gérer. C'est lui qui égalise. Ça fait plaisir. Si tu es Sénégalais, tu es content, tu te dis, ouais, enfin un Sénégalais a marqué en finale de Ligue des Champions quand même. Tu vois, on va pouvoir parler avec nos frères ivoiriens et nos frères camerounais et dire que voilà, nous aussi, on est là, on a marqué en finale de Ligue des Champions comme Eto'o et comme Drogba. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, je te dis quand même que Mané aurait pu être l'homme du match. Parce que quand Mané égalise, Liverpool est sur une bonne vibe. Mais qui s'attend à cette reprise de volée de Gareth Bale? Alors là, moi je la vois et je me dis, je pars en couille dans ma tête. Je me dis, attends, la reprise de volée de Gareth Bale, elle est au même niveau que le but de Zidane. Parce que c'est un but en finale. 1.
ça fait 2-1. C'est comme celui de Zidane. Mais en plus de cela, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le mec, il vient de rentrer. Il vient de rentrer sur un de ses premiers ballons. Il a l'audace. Je dis bien l'audace parce que ça prend l'audace. Quand tu rentres dans un match comme ça, c'est pas tout le monde qui rentre dans le match et qui a le rythme du match. Lallana, il est rentré, il n'avait aucun rythme. D'ailleurs, à ce titre, Lallana, faut qu'on soit sérieux, faut qu'on soit honnête. Et ça, je suis d'accord avec un de mes potes qui me l'a dit. Lallana, si Mourinho était sur le banc aujourd'hui, Lallana n'aurait pas fini le match. Il est rentré à la 30e, il serait sorti à la 45e. Parce que Lallana, aujourd'hui, il a été incolore, inodore, inutile, il servait à rien. Je ne l'ai pas vu. Si vous avez vu Lallana, dites-moi, tu sors Salah, tu fais rentrer Lallana, c'est comme si tu avais sorti Salah et que Liverpool jouait à 10, tu vois. Mais d'un autre côté, Bale, quand il rentre, il a le rythme. Il est chaud. Il est très très chaud même. Il rentre direct, tu te fais cette reprise de volée là, elle est juste sensationnelle. Et le gardien, il est complètement battu. Et là, à ce moment-là, dans la tête du gardien, je me dis, il doit se dire, mais purée, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Parce que non seulement je fais une faute de main, mais en plus je prends un but sensationnel. Quand le troisième but vient, ça ne me surprend pas. C'est un problème de confiance, c'est un problème de mental. Karius, il a le mental en pomme de terre. Il ne sait plus ce qui se passe en fait. C'est en purée le pauvre. Il est totalement déboussolé, il est totalement perdu dans sa tête. Et derrière, il prend cette frappe de Gareth Bale qui est, ma foi, pure, ce qu'on appelle un pur shot, elle est pure, elle est puissante, elle vient directement sur lui, au lieu de boxer le ballon, il ouvre les palmes. Et ça, c'est un autre truc que je ne comprends pas, j'avais dit cette même chose-là, l'erreur que Karius fait aujourd'hui, allez voir le match Allemagne-Brésil amical du mois de mars. Kevin Trapp fait la même erreur sur la tête de Gabriel Jesus. Et je l'avais dit dans le débrief ce soir-là, en disant que un gardien de but, quand un ballon vient en pleine vitesse comme ça, si tu ne peux pas évaluer visuellement la vitesse du ballon, boxe le ballon, mon frère. Boxe le ballon, mais ne mets pas ta palme pour essayer d'attraper ta paume pour essayer d'attraper le ballon. Et c'est ça que Karius essaie de faire. Et le ballon passe. C'est dommage, derrière tu t'attends pas à ça et là à partir de ce moment là c'est fini, donc tu lui en veux à Karius. Mais après à la fin du match, moi je lui en veux plus parce que je me dis, je regarde ça et je me dis que en tant que tel, si j'étais fan de Liverpool, je lui en voudrais pas parce que je me dirais que en tant que tel, Karius, ben, c'est qu'un être humain finalement. Tu le vois à la fin du match, le pauvre il est déboussolé, mais il est en train de pleurer, il va voir les fans de Liverpool, il applaudit, il s'excuse, il applaudit, il s'excuse, il demande pardon, etc. Tu sens que le gars il a mal, tu sens que c'est quelque chose qui va le hanter à vie, surtout qu'on va s'en rappeler en plus de la 13e Ligue des Champions du Real Madrid, on va se rappeler des bourdes de Karius. Derrière ça ne change en rien, Karius l'année prochaine tu ne seras pas gardien de Liverpool. Deux blessures durant ce match, Mohamed Salah et Carvajal, les deux qui pleurent mais énormément et tu le vois en fait. Parce qu'aujourd'hui quand tu pleures dans un match comme ça, c'est pas parce que tu pleures parce que tu rates la finale. Non, peut-être que Salah il pleure parce qu'il se dit quand même, il a vu sa saison défiler. Il a dû se dire quand même, j'ai fait une superbe saison. C'était la cerise sur le gâteau et malheureusement il n'y aura pas de cerise sur le gâteau. Donc ça c'est possible quand même de se dire ça. Mais Carvajal derrière qui pleure aussi, c'est parce que dans leur tête quelque part, ils se disent, j'ai pas envie de rater la Coupe du Monde. Là on est à moins de 20 jours de la Coupe du Monde. Si tu as une blessure grave là maintenant, tu as moins de 2 semaines presque pour vraiment être au top de ta forme, avoir du rythme et pouvoir être rétabli. Ça va très vite, sincèrement j'espère qu'ils ne sont pas blessés et j'espère que ce n'est pas trop grave pour eux et j'espère qu'ils s'en remettront pour le mondial. Dans le débrief d'avant-match, lors du live Facebook et lors du débrief du week-end passé, je l'avais dit, comment est-ce que Liverpool peut tenir 90 minutes durant face à cette équipe du Real Madrid. Et là ça s'est vu durant ce match-là parce que Liverpool, quand même, sincèrement, moi ils m'ont épaté parce qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs, mais malgré ça ils ont donné tout ce qu'ils avaient pendant tout le match. Tu les vois en train de courir partout. Robertson, l'intensité qu'il avait, le volume de jeu qu'il avait. James Milner, il a tout donné jusqu'à ce qu'il le sorte. Henderson, j'en parle même pas. D'ailleurs, la preuve, ça me permet de faire une transition sur un joueur du Real Madrid. Tellement ils ont donné, tellement on n'a pas vu Cristiano Ronaldo. Je suis désolé. Si aujourd'hui tu es un fan du Real, faut que tu sois sérieux. Tu te dis, ouais, on a gagné 2-1. Vous avez gagné 3-1. C'est très très beau, c'est parfait. Gareth Bale a été sensationnel. Mais Cristiano Ronaldo, on l'a pas vu. Il a été lui aussi incolore, inodore, mais on l'a pas vu. La seule fois où on a failli voir Cristiano Ronaldo, la seule fois où Cristiano Ronaldo a failli marquer, il y a un supporter qui est rentré sur le terrain. D'ailleurs, tu vois la frustration de Ronaldo qui se retourne et qui lui dit, mais toi, vas-y, dégage de là-bas, j'ai même pas envie de te donner un autographe ou quoi que ce soit parce que tu viens de me gâter une occasion de but. Parce que Cristiano part en 1 contre 1, il fait son crochet, il est sur le point de frapper et voilà, t'as le supporter qui est juste à côté. Je sais pas si c'est un supporter du Real ou un supporter de Liverpool. Si c'est un supporter de Liverpool, il a sauvé le 4e but, il était venu pour tacler Ronaldo. Si c'est un supporter du Real, mon gars, sincèrement, tu risques d'être persona non grata dans le club parce que tu viens d'empêcher Cristiano Ronaldo de marquer. Mais derrière, ça m'a un peu déçu parce que tu te dis, Ronaldo, dans un match comme ça, tu t'attends à ce qu'il soit sensationnel, tu t'attends à ce qu'il
qu'il soit flamboyant. Il ne l'a pas été, mais il a été important parce que sa simple présence sur le terrain pose problème. Tu vois, ça pose tellement de problèmes que ça occupe les défenseurs. Zidane rentre définitivement dans le panthéon du football, qu'on le veuille ou non. Moi, toute ma vie maintenant, je défendrai Zidane. C'est fini, j'ai terminé avec lui. Zidane, l'année prochaine, ils peuvent le virer en décembre s'ils veulent parce que le Real ne va pas bien. Le gars a gagné 3 Ligue des Champions d'affilée, 4 si on compte celle qu'il a gagnée avec Ancelotti en tant que coach adjoint, en sachant l'importance qu'il a eu dans ces décimales-là qui a été gagnée par Ancelotti. L'importance mentale que Zidane a eue sur les joueurs. Aujourd'hui, Zizou, qu'on le veuille ou non, c'est une icône à Madrid. C'était déjà une icône dans le foot, c'était déjà une icône historiquement, mais aujourd'hui, il est devenu une icône en tant que coach à Madrid. Parce que porter une équipe 3 saisons d'affilée avec le même effectif quand même, c'est ça qui est sensationnel. C'est que tu dis que le Real n'a pas tant changé entre 2014 et maintenant. Oui, certes, il y a des Di Maria, des gars comme ça qui sont partis, des Pépé, etc. Mais l'ossature de l'effectif n'a pas changé. Et Zidane a réussi à nous sortir de nouveaux joueurs qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert et qui ont juste été sensationnels. À l'image de Vasquez, qui n'a pas joué aujourd'hui, mais qui a été parfait quand même cette saison durant la campagne de la Ligue des Champions. À l'image de Asensio, qui n'a pas joué aujourd'hui, mais qui rentre en fin de match, mais bon, qui a aussi été parfait durant toute la saison. Zidane a réussi à nous sortir ces jeunes-là, qui en plus de ça ont été récompensés par un appel en Coupe du Monde par Lopetegui, tu vois, avec l'Espagne. Donc ça montre encore une fois la touche Zidane. Et Zizou aujourd'hui, il a réussi. Que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas, je le dis et je le répète, Zidane, c'est l'enfant du football. Si le football a un enfant, il s'appelle Zinedine Zidane. Aujourd'hui, il nous l'a montré. 3 Ligue des Champions d'affilée, il sait gérer un effectif, il sait gérer des égos et il sait gérer des grosses stars. C'est ça qui est sensationnel. Combien de coachs pourraient réussir au Real Madrid? Combien de coachs pourraient mettre Gareth Bale sur le banc et lui faire comprendre que tu mérites d'être sur le banc? Combien de coachs seraient capables de motiver un joueur comme Gareth Bale, de le faire rentrer à 65e minute et lui dire fais un match? Combien? Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on le voit. On voit des coachs qui sont dans des grands clubs avec des grands égos et qui ont du mal avec ces égos-là. Zizou n'a aucun problème. Il gère bien ses 25, ses 24, 25, 26 joueurs. Même ceux qui n'ont pas joué, ils sont heureux. Donc aujourd'hui, tu le vois. Zidane, sincèrement, bravo à toi. De son côté, Jurgen Klopp rate encore une fois une finale de Ligue des Champions. C'est quand même dommage. Sa 3e finale perdue avec Liverpool, si je ne me trompe pas. Il avait perdu une finale de Cup. Il avait perdu la finale de la Liga Europa face à Séville. Là, il perd encore face à des Espagnols. Et là, c'est le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. C'est dommage pour Klopp. Parce que Klopp, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe-là, il donne tout. Il fait tout ce qu'il a à faire. Il avait dit qu'il allait leur offrir un trophée en 3 ans. C'était sa promesse. Il est à sa 3e année et il est passé à ça de leur offrir un des plus beaux trophées dans le foot européen. C'est quand même dommage. Mais derrière, tu te dis que l'année prochaine, c'est Liverpool-là, ça va dans et encore beaucoup plus dangereux avec Klopp, parce que Salah il va sûrement rester, Mané va sûrement rester, Firmino va sûrement rester. Derrière, au milieu de terrain, ils vont rajouter Naby Keita qui est à Leipzig, qui a fait une saison encore une fois sensationnelle comme l'année passée, qui va venir en plus se rajouter au milieu de terrain. Donc tu te dis que cette équipe là peut être solide. Il leur faut quoi? Un gardien de but? Ils sont déjà en pourparler avec Alisson dans la Roma. Attention à Liverpool quand même, sincèrement. Si tu es fan de Liverpool en ce moment, tu as le droit d'être déçu. Tu as le droit d'être déçu, ça fait mal mon frère, sincèrement ça fait mal. Moi-même, sincèrement, je suis là hein, et je me dis que non, j'aurais eu mal si j'étais fan de Liverpool. Parce que contrairement à tous les autres fans en Angleterre qui étaient contre Liverpool, Manchester, etc., David Beckham il a dit dans un interview d'avant-match là avec Zidane, il a dit, il était contre eux, même malgré... Contrairement à tous ces gens-là, personnellement, moi, au fond de moi, j'étais pour Liverpool à cause de Sadio Mané. Donc moi, je vais être honnête avec vous, mon match a été fait. Le Sénégal a marqué, Sadio Mané a marqué, il a fait un super match. On se rappellera toujours de la première finale de Sadio Mané, en espérant qu'il y en aura d'autres, tu vois. Mais derrière, j'ai envie de dire, n'enterrez pas cette équipe de Liverpool-là, parce que l'année prochaine, elle reviendra et encore sûrement beaucoup plus forte. Et juste après la fin du match, Cristiano Ronaldo, il a dit dans les colonnes de Bein, il a dit, c'était très agréable d'être au Real Madrid. Bon, il dit, c'était très agréable d'être au Real Madrid. Il dit, et dans les prochains jours, je donnerai une réponse aux fans qui ont toujours été à mes côtés. Nous avons fait l'histoire et maintenant, nous devons en profiter. Bon, les gars, CR7, il reste ou pas? Parce que là, ça commence à devenir compliqué. Là. Tout à l'heure, je posais la question à savoir est-ce que Bale allait rester ou pas. En plein débrief comme ça, je reçois une notification. Cristiano Ronaldo qui balance des trucs comme ça. C'est quoi ton délire, Cristiano? Tu vas encore être augmenté? Toi et Messi, vous nous fatiguez, hein, les gars. Chaque année, vous allez vous plaindre en disant, ouais, je pars juste pour avoir une augmentation de salaire. 33 ans, il est arrivé au top. Il a gagné sa 5e Ligue des Champions. Il n'y a personne dans l'histoire qui a fait 5 Ligue des Champions. Faut qu'on soit sérieux, Cristiano Ronaldo, qu'il ait fait un grand match ou pas, dans l'histoire, il est rentré. Non seulement meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais en plus ça, il en gagne 5. Maldini en a gagné 5, c'est vrai. Mais Maldini, dans les Ligues des Champions, il n'en a pas gagné 5. Je pense qu'il en a gagné 3. Les deux autres, c'était des coupes champions ou un truc comme ça. C'est dans le temps, comme on disait, c'est dans le temps où le Real était en train de... Voilà. Donc Maldini a gagné en 89. Ça s'appelait pas la Champions League. Donc maintenant, on parle de Champions League. Cristiano Ronaldo, c'est le seul qui en a gagné 5. 5 sur... Près sur quoi? Sur 10 ans. C'est quand même extraordinaire. Faut qu'on soit sérieux. 5 Ligues des Champions en... Hey!
une sur deux, c'est-à-dire un an sur deux, presque Cristiano Ronaldo soulève la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo et la Ligue des Champions, c'est une histoire d'amour. On se capte durant la semaine, on va mettre une annonce et tout pour un live Facebook. On va venir, on va discuter avec vous, les fans du Real, les fans de Liverpool, soyez là, tu vois. Les Catalans, etc. Venez aussi foutre le bordel comme vous avez l'habitude de faire tout le temps. Venez, on va discuter, on va attaquer nos amis madrilènes parce que qu'on le veuille ou non, là maintenant, ils ont de quoi parler. Je pense qu'ils sont quoi, 33 Liga, 13 Ligue des Champions. Waouh, sincèrement, le Real, chapeau, bravo. Si t'es fan du Real Madrid, bravo. Si t'es madrilène, bravo. Les gars, honnêtement, vous avez réussi, bravo. En toute honnêteté, vous êtes les meilleurs en Europe, qu'on le veuille ou non. L'année prochaine, en septembre, on reprend de plus belle et on va voir est-ce que le Real va aller chercher sa 14e Ligue des Champions. Salam, salam la famille, Toussaint Outsider.